Monte Ibérique, les personnes qui suivent ce web, je vous embrasse. Je suis à Monaco parce que je suis nominée au Festival de télévision de Monte-Carlo pour un film de télévision qui s'appelle La Chirgu. La Chirgu, c'était un très très connu comédienne catalane qui a travaillé beaucoup en Espagne. Elle était très importante et très moderne dans l'époque. Elle a commencé dans les années 20. Elle faisait des œuvres d'auteurs inconnus, mais après, il est devenu connu pour elle, comme Lorca. Elle a travaillé avec Valle Inclán, Alberti et beaucoup d'auteurs. Oui, c'est très intéressant parce qu'elle a devenu grand quand il y avait la République en Espagne et alors il y avait plus de liberté pour les artistes avec la dictature de Primo de Rivera où il va faire la première œuvre ensemble avec Lorca et il ne veut pas que sa pièce sorte. Elle veut le censurer sans le censurer. Et alors, il met toute la complication possible parce qu'elle ne peut pas le faire. Elle fait ça possible. Pendant beaucoup d'années, je n'avais fait aucune historique. Ça a été comme les dernières années. J'ai fait trois historiques à la télévision catalane, Armacenda. J'ai fait Juana la Loca, un Carlos el Rey Emperador. Oui, j'ai fait quelques personnages historiques. Oui, c'est ma langue maternelle. Je n'ai pas la préférence, mais bien sûr, le catalan, c'est ma langue. J'habite à Barcelone. Et là-bas, on fait le théâtre, plusieurs en catalan, et aussi quelques films, on le fait en catalan. Je veux essayer de nouvelles choses, pas faire ça ce que je sais que je peux faire. Et j'aime bien le risque, et j'aime bien... Il y a quelque chose qui m'appelle pour le faire. Et après, j'ai aussi... cherche pour un directeur ou directrice que ça m'intéresse, que j'ai l'intérêt parce que j'ai vu quelque chose et ça m'a appelé. C'est parce que quand j'ai commencé, j'ai fait du théâtre. La première chose que j'ai fait, c'était théâtre. Et après une année comme ça d'avoir commencé, j'ai fait une série de télévision à Catalogne, en catalan. Et tout le monde me connaissait par la rue et je n'ai pas aimé ça du tout. Et alors, j'ai décidé que ce n'était pas mon choix. Je n'aimais pas ça. Mais alors, quand j'étais plus grand, j'ai vu que c'est contradictoire parce que si tu veux être une actrice, c'est bon que les gens te connaissent. La Madre, c'était un film très fort et que j'aime très bien. Et j'espère qu'ici à la France, il va le valorer. Mon dernier film, c'est Brava. Et je suis très fière avec ce film aussi. Et après, mon travail maintenant, c'est le théâtre. Je suis en train de faire Incendios, magnifique pièce de théâtre de Wajdi Mouawad. C'est français, c'est québécois, called Incendie. Et je fais le caractère de Nawal Marwan. Je viens de faire la tournée pour toute l'Espagne et maintenant on retourne à Madrid.